Après près de 2 mois passés sans activité scolaire, les écoles et universités vont rouvrir leurs portes le lundi 22 février prochain. Une reprise des cours qui sera effective sur toute l'étendue du territoire national, mesure prise par le chef de l'État après avoir échangé avec les membres du comité multisectoriel de la lutte contre la COVID-19 et analysé les propositions lui formulées par le secrétariat technique de la riposte contre cette pandémie. Une bonne nouvelle pour les élèves étudiants congolais. Le comité sectoriel de lutte contre la pandémie de COVID-19 a examiné le rapport du secrétariat technique. Il apparaît dans ce rapport que les mesures prises par les chefs de l'État en date du 18 décembre 2020 ont porté leurs fruits. Une baisse sensible des cas de contamination a été constatée. Par conséquent, les décisions suivantes ont été prises. 1. La reprise des activités scolaires et académiques sur l'ensemble du territoire national à partir du lundi 22 février 2021. 2. Maintien du couvre-feu sur l'ensemble du territoire national de 21h à 5h du matin. 3. Maintien et renforcement des mesures barrières que tout le monde connaît. Voilà l'essentiel des conclusions auxquelles la réunion de ce jour du comité multisectoriel est arrivée.